La vie contentieuse et aujourd'hui, eh ben, je viens de faire un tournage qui vient de foirer. Donc, en résumé, j'avais un épisode tout prêt, tout fait, et mon ordi a crashé, tout simplement, parce que Overwolf, parce que l'ordi devait redémarrer, machin. Eh ben, j'ai tout perdu, tout simplement. Fuck you, le computer. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé de nouveau? Ben, pas grand-chose. Ben, alors, pour dire ce qui s'est passé d'important, on avait pris Highgarden. Ben on s'apprêtait, donc j'assiégeais Old Town. Et pendant ce temps-là au nord, eh bien la garde de nuit s'est bien agrandie considérablement. Elle a annexé Sauvageon, simplement. Et pour en revenir aux... Les Arines nous ont déclaré la guerre. Oui, parce que bon, je pense que je devais commencer à être menace un peu de potentiel à ce point-là, mais bon. Alors on va bientôt... Je vais bientôt quitter la ville, ici. Donc à Highgarden, on s'est refait une petite santé avec l'armée qu'on a. Et... Au sud, je prépare l'assaut sur Old Town. Alors, ça a pas. On va laisser. On va faire ça. Communauté assiégée ici. On va sortir avec notre armée. On va laisser. Trois unités là, mais je pense que ça devrait aller. On marche. Oui, c'est bon, ils sont sympas. Les gens me laissent partir au moins. Allons-y. Et on va Mouvement foncer terminé. ben, sur cette ville à l'extrême est qui s'appelle. On va foncer sur cette ville. Et c'est à ce moment-là que ça a crashé. Et oui, c'est au moment où je bougeais cet Votre espion-là. allégeance. Or, je ne peux pas prendre la route parce qu'il y Mouvement a une armée qui me terminé, bloque. Et de sire. toute façon, c'est là. Or. C'est le chef de faction, je crois, maintenant. Non, c'est un membre de la famille. Ou est-ce qu'on a... que j'avais éliminé une autre armée qui faisait que passer? Ouais, bon, ils font que passer, mais bon. D'ailleurs, je me suis bien enrichi parce que j'ai massacré la populace. Reste plus que 2500 personnes, alors qu'avant, il y en avait 3 fois plus, au moins. Alors là, il me reste... Ah, on se fait 6000 au prochain tour. C'est Bon génial. sort. Ici, j'avais recruté des cavaliers pour prendre la ville. Et on va passer le tour. Là, on gagne un peu d'armée tout. Et oui, les Greyjoy étaient entrés en guerre contre les Stark, c'est tout ce que je peux vous assurer. Et voilà, est-ce que les Lannister ont proposé la paix? Eh ben non, je sais pas, les mecs, vous avez plus de territoire, ils veulent encore la guerre, quoi. C'est incroyable, ça meurt pas, ces bêtes-là. Communiqué officiel, encore eu des naissances. J'en avais eu deux dans l'épisode précédent, Bonjour. enfin, si on peut appeler ça l'épisode précédent. Eh ben, on En avant! fonce à Plus travers le doucement, désert, Sire! à travers la faim, la soif et tout ce que vous voudrez. Mais on y va quand même. Je crois vraiment que je vais me laisser faire par ces singes. Starfall, on a fini ça, hein, tout de suite ça calme. Ben, on va faire de la bouffe. Parce que le peuple a faim, je tiens à vous rappeler. C'est des êtres humains, faut pas oublier. Mais attendez, mais c'est pas drôle! Ah, bah oui, c'est vrai. Highgarden, on va faire un suvoir. Parce qu'on a tué tellement de gens, je suis sûr qu'il y a plein de cadavres partout, faut tout nettoyer. Oh là 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 là, le peuple, même pas capable de se laver lui-même, alors bon. On va laisser en garnison ce mec-là. Et on va laisser deux unités. Est-ce que le peuple est content? En Oui, avant! en même temps, je les ai un peu tous massacrés jusqu'au dernier, alors bon. Aux ordres! De toute façon, on a encore un peu de temps avant qu'ils arrivent. Est-ce que. Non, allez, on s'en occupera plus tard. On monte! Allons-y! Le Plus roi vivement, sire! arrive. Est-ce que là-bas ils s'apprêtent à m'assiéger? Oui, ils vont m'assiéger. De toute façon, ils ont pas le choix, sinon c'est moi qui sors et qui viens les défoncer. Alors, je pense que vu que là on a les tours, on a tout qui est prêt, on va attaquer Old Town et Aux mettre ordres! fin, À je l'attaque! pense, au Tyrell. Enfin, sinon, il y aura encore la menace du Nord. Doran au Hakkart, chef de la famille Tyrell, alors que ce n'est même pas un Tyrell, j'en suis sûr, mais bon, c'est un imposteur. J'appelle ça. Un imposteur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là, commandant? Ah, il est meilleur que moi, ouais, bon. Maëlys Martin, il fait que. Il est débutant dans le métier pour prendre les villes. Alors, après qu'on aura pris cette ville, on va mettre. Ou déjà, on va mettre 5-6 tours de guet à travers le territoire. Parce que vous vous rendez pas compte comment notre territoire a triplé de volume. Bon, après tout ce qu'on a buté en niveau familial. Ouais, donc je viens de me rendre compte au final que si je peux tourner une vidéo sur ce jeu, ce qu'il n'y a pas de problème. Avec Rome Total War Alexander. Ça, c'est bien. Alors j'ai bien allumé Overwolf. Que je sois pas. Que je me sente pas con. Oui, j'ai bien allumé Overwolf. Normalement, oui. Alors on va attaquer la ville. Alors j'espère qu'ils ont mis leurs armées sur les murs comme ça. Parce que les tours de siège, ben, ça mitraille un peu. Ah ouais, pourquoi que j'ai que deux? Ah ouais, c'est qu'une petite ville. C'est pas vraiment une petite ville, c'est juste qu'on a pas beaucoup de monde. Et on va mettre le feu, enfin on va mettre feu à volonté. D'ailleurs, faudrait qu'on explique est-ce que les tours de siège attirent de petites fentes noires là. Et je me demande comment il faut pour monter là-haut. C'est vraiment, il y a un mec, on le paye pour monter tout là-haut, d'accord.
On va faire un groupe avec le reste. Et on va, je pense qu'on va, on va les avoir à l'usure. De toute façon, c'est comme ça que se déroule un siège au Moyen-Âge. D'ailleurs, un truc que je me suis, qu'on m'a appris, c'est qu'au Moyen-Âge... Ah non, non, ils... Si, si, ils défendront, ils vont défendre les murs. Ah, zut, ils sont là. Dame! Dame, ils sont là. Bon, de toute façon, on va y aller à un contre deux. On va voir qui tiendra le plus longtemps. À votre avis, qui tiendra, moi ou eux? La question qu'on se pose, Coric. On y va, las, au combat. Enfin bref, j'ai pas besoin de décrire comment c'est super stratégie totale. J'attends un jour que je m'y remette. Ah, pourquoi il y a qu'une échelle qui y va? Crétin. Voilà. Fais pas le con, Philippe. Oh, c'est quoi ces tours qui savent pas bouger, quoi? Nos échelles ont atteint... Louis soit les dieux. Les tours de siège ont atteint les murs. Le vrai combat peut commencer. Oh là là, ces tours qui bug. Bon, là, on va les prendre sur leur flanc. On va pouvoir faire entrer notre armée. Génial, c'est les piquets qui sont là. Eh, dis donc, c'est une grande ville. Enfin... Oh, le... et donc, le palais gouverneur, il est pas si grand que ça. Oh, je préfère quand c'est un grand bâtiment avec plein d'eau, ce que l'on dirait... Il y a un truc tout sec là, on dirait que... Et c'est qui est censé s'occuper de tout ce bazar? Parce que là, il n'y a personne qui s'en est occupé, on est bien d'accord. Là, il monte. C'est vrai que j'aime pas trop les béliers sur Rome. Allez, là, on prend contrôle de la ville. On pourra prendre... Non, on les attaquera que d'un fond. Ou peut-être qu'on pourrait les prendre à revers aussi. Bonne idée, bonne idée. Les échelles sont en place et nos hommes passent à l'attaque. Face à tel courage, que peuvent de simples murs? Enfin, il faut pas préciser, il faut... Ah, il mitraille. Et d'où il mitraille? Ah ouais, d'accord. Alors vous vous dépêchez d'aller là. Vous, vous allez monter, vous allez prendre la tour là, et ensuite vous attaquez. Tout simplement. C'est ça la stratégie. Bon, vous allez enlever vos merdes là, et vous allez monter à l'échelle. Javier, il me regarde limite. Chef! Par les dieux! Ils sont sur notre flanc. Bien travaillé. Ils se sont emparés des murs. Ah si, si, ils font attention à moi quand même. Oh, il y a un mec qui a saigné, est-ce que j'ai entendu un... Me dit, ah bah j'espère qu'il... Je me disais, j'espère qu'il s'est pas fait cutter. Oh non, ça va être chiant d'aller prendre toutes les tours là. Oh là là. Bon les fous, vous allez... Vous allez par là. Faut que je vous trouve un job, vous les touriers. Oui, enfin les mecs des tours, quoi, vous m'avez compris. Putain, cette lutte, elle va durer un siècle. On va jamais réussir à tuer quelqu'un. Alors vous prenez la tour de siège et on installe les archers dans la ville. Voilà, c'est ça la stratégie de guerre. Place au combat! Avec un petit. Avec toujours l'accent québécois magnifique de Bad Billy's. Ah non, mais je vous assure, il y a un bon accent. Alors vous allez là. Voilà, l'hyène n'est pas conne, elle va pas avoir l'idée de foncer sur le côté. Ah, c'est bon, j'ai une aussi de jeu. On s'en fait à les tuer. Allez, la tour ici. Je me demande si on peut avoir des catapultes, mais je pense que. C'est bon, on a pris la tour. Et vous allez foncer juste là. Capturez, 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 mais capturez-les tous. Le mec qui se croit dans Pokémon. En même temps, ça m'étonnerait même pas qu'on soit dans le monde de Pokémon sur ce jeu. Et hop, les premiers combats ont lieu. Encerclés des deux côtés, qu'est-ce qu'ils vont faire les mecs de Old Town? Order. Ah, voilà, je le disais bien, je le disais, attends, et c'est... La ville s'appelle Oltan, où le port? Bah, il est là. Oh mon dieu, regardez ça! Sous le soleil des tropiques! Bon, c'est pas très tropical comme lieu. Ça sent pas trop le bon temps. Tu sens vraiment que la ville. Eh, vous êtes en pleine sécheresse, parce que nous en France, c'est pas franchement bien goût. Alors. Nous, c'est disons qu'il y a des gens qui mettent le feu parfois. Alors bon, sécheresse, on a vu pire. Alors lui, en Californie, c'est le pire. Le pire, c'est que. On commence à peine à se rendre compte aux États-Unis que c'est la faute du réchauffement climatique. Je sais pas, le feu. Je sais pas, Johnny, ils allumaient le feu, mais là quand même. Comment vous osez perdre des hommes sur ça quand même? Je vais pas devoir accélérer juste pour. Il me reste combien de temps? Je vais pas commencer à stresser pour. Voilà, hein. Vous commencez bizarrement à les tuer, hein. Je pense qu'on va faire, on va envoyer une unité tout devant
pour les tenir. Bon, là, ils sont presque morts, je pense. 16. Par contre, ils m'auront fait mal, celle-là. Et je comprends que... Est-ce qu'ils ont un bonus se battre dans notre capitale? Non, ils peuvent juste taper et faire de la cavalerie. C'est une manière de se battre. Mais bon, je crois que mes archers vont pas me servir à grand-chose. La ville est trop étroite pour utiliser les archers, c'est le problème. Oh là là. Ah, en plus, ils ont les archers, tiens. Quand on parle de la peste, en voilà les rats. Voilà un nouveau problème que je viens d'inventer. C'est bon. Ils en sont morts, ils en sont morts. C'est clair. Ah, ces singes me mitraillent. Même pas le courage de venir se battre en face. Bon, vous avez formé une ligne parce que bon là, on peut pas faire grand chose pour l'instant. On va faire venir les archers, là on va voir si 50 flèches dans leur face ils vont kiffer. Ça m'étonnerait beaucoup mais bon. Et tout, si on est parti dans une grosse guerre, alors autant y rester. C'est bien, videz vos carquois sur mes hommes. Enfin bon, je peux vous dire que les mecs ils ont un peu mal avec les flèches de bouclier. Ah bah là bizarrement hein, quand je tire des flèches hein, ça... Bizarrement quand je tire des flèches, l'IA elle aime pas trop. Elle aime pas trop l'IA quand... L'IA elle aime bien titiller à l'arc mais quand c'est toi, là tout d'un coup... Archer. Non, visez quand même pas tout le temps eux. Alors toi tu vas viser à côté. C'est bien, on les descend. On a buté que deux. Aïe 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 aïe, ça fait mal, ça fait mal. Ça fait mal hein, les enfants. Non non non, pas prendre cette voix encore une fois. Ce que je veux dire, l'épisode précédent c'était juste moi qui prenais la voix en mode Le Pen et puis c'est tout. Allez, vous les descendez, toi tu vas. Ici en prime. Allez, descendez-moi leurs archers de pacotille. Mais on va gagner la bataille juste en descendant leurs archers à l'arc, ça c'est assez drôle. Allez, la bataille de Old Town, ça va consister en une charge de cavalerie et des tirs d'arc. Comme ça, les sièges Moyen-Âge. Bon, après, j'ai lu qu'en fait, les sièges Moyen-Âge, c'était pas aussi grand que ça. Ça consistait en 5-6 pécores qui tiennent le château contre 3-4 pécores. Bon, 50 pécores contre 3 pécores, c'était tout ça, bataille Moyen-Âge. Ah, je vais pas vous laisser partir. Le chef ennemi est mort. Et ouais, et ouais. Le mec croyait que j'allais le laisser en vie, tu sais. Mais t'as fumé, mec. Oh là là, ça meurt, ça meurt, ça meurt. On va mettre la cavalerie bien là, comme ça on va faire une bonne charge finale. Pas suicidaire cette fois. Voilà mes propres soldats, je vous avoue, mes charges sont parfois suicidaires. Mais l'IA est conne ou quoi? Attends, t'as leurs archers, ils sont en train de viser à côté. Attends, on va leur ordonner d'arrêter de tirer. Ils sont tous en train de mourir au... Je vous ordonnez d'arrêter et on va finir ça sur une belle charge suicide. Oh mais le tag! Oh mais ce tag! Le mec il les a niqués comme ça d'un coup. Eh, il est bien organisé le Martin. On a perdu beaucoup d'hommes, je crois. 11% de notre armée. Bon, eux, ils ont perdu. On a perdu 36 hommes. Mais bon, 102 contre 323, fallait pas se faire d'illusions. Bon, après, c'est pas les 300 spartiates. Sinon, est-ce que là, je peux vous dire que 300 spartiates, on y sera encore. Juste un spartiate faisait l'équivalent de mon armée. Alors bon. Ah là là, cette bataille des thermophiles. En plus, je pensais même pas la gagner, cette bataille. Enfin, en fait, quand t'as la bonne technique, tu sais que tu peux gagner. Ça c'est bien. Mais par contre, c'est dommage qu'ils aient rien prévu en cas de survie de Léonidas. C'est vraiment que tu gagnes ou non, il est fait pour crever à la fin. Je meurs. Mais qu'est-ce qu'on doit dire à votre femme? Eh ben, j'ai pas gagné. J'ai tenu, mais je meurs quand même. Chérie, faut que tu rentres à la maison. Ah non, chérie, je meurs. Oh, et ben allez. 10 000 personnes qui vont mourir. Et voilà. Bizarrement, on se soulève contre moi. Et ben, y a plus personne derrière. Et ouais, et ouais. Non, parce que bon, les mecs, je veux bien être gentil au bout d'un moment, mais bon, vous me saoulez depuis. Vous me saoulez depuis 50 ans, alors évidemment que je vous massacre. Bonjour. Non mais bon, je suis désolé que je massacre mon propre... Enfin, c'est vraiment mon peuple, mais... Peuple, c'est de la merde. C'est des merdes, tout simplement. Je fais pas de quartier à mes propres soldats. On va reprendre quelques arbalétriers. Ah, par contre, ça coûte cher, les arbalétriers.
261. Ah, ça coûte un peu cher. Mais bon, ça ne, il faut, ça vaut tout l'or du monde d'avoir des bons archers. On a capitaine mercenaire, génial. Quand on pille une ville, on gagne de l'argent. attendez, c'est pas drôle. Ah oui, c'est vrai. En plus qu'il y a personne, hein. On va commencer à construire des tours de guet en haut. Or, je crois qu'il y a beaucoup de monde là-haut. Ah, c'est tout ce qui reste? C'est tout ce que tu sais faire? Toi, je présume que t'es le chef. C'est ça les derniers Tyrell. Les derniers Tyrell, un nouveau film de Steven Spielberg. Papin. Et je vais monter encore un peu au schnorr afin de construire une tour. Par contre, je vais me prendre des rebelles dans la face, ça va être moins drôle. C'est bien, au moins il y a des petites montagnes là pour pas se prendre l'ennemi dans la face. Par contre, si eux ils osent m'attaquer, je peux vous assurer que faut passer un sale gardeur, les rebelles. Capitaine Jamie en plus, moi. Jamie. De toute façon, j'ai tellement entendu ce mec. Fait plus d'effet. Et on gagne 3000 au prochain tour, hein. C'est génial. Je savais bien que tuer des femmes et des enfants c'était une bonne politique. Seigneur. Bien sûr, je ne vais pas partir, hein. Sinon, ce serait pas drôle. Putain, le mec il fait son sa ronde, elle dure 50 ans. C'est bon, on peut partir. Et Annister, qu'est-ce que vous allez me dire? C'est pour vous excuser? Non? Les Tyrell, c'est pour faire la paix peut-être? Mais pourquoi vous voulez pas faire la paix? Vous avez plus d'armée? Ah, il y a une armée dans la flotte. Non, ce que bon, je connais bien l'IA, moi. Votre Altesse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh oui, un bon recrutement. Bravo, ces Pentos sont en guerre. Ah, intéressant. Et les Greyjoy et les Stark, vous avez fait un cessez-le-feu. Ça, c'est pas intéressant, par contre. Brienne et Théodoric Swan sont nés. Et ça va. Ça va, j'ai que des gamins qui naissent en ce moment. C'est bien. C'est bien. 15 navires. Tu sais, les 15 pauvres navires qui vont me faire bien mal. Peut-être que je pense à créer une flotte. Ah oui, d'ailleurs, on a même la crotte ici. La petite île qui sert à rien, mais bon, on la garde quand même. Ça, c'est... C'est jamais. C'est jamais. Une île de merde. Faire... Une île pour installer, je sais pas, des comptes bancaires, ça peut être une bonne idée. Hashtag Paradise Papers, si t'as compris la référence. On va aller un peu plus au nord, dis donc. Eh hey, mais c'est gigantesque chez ces mecs. Ah, intéressant, la première ville qu'on va voir sur le chemin, bah. Tiens. Hop là. Comment c'est son nom? Arin, entends-tu le cri sourd de mon armée qui vient brûler tes terres et piller tes villages? Ils sont là dans les campagnes. Ah oui, là ils sont vraiment trop. Je crois qu'ils sont trop en avance sur leur temps, les mecs. Ils ont des armées toutes puissantes. Oh oui, en fait c'est un peu de la merde, les Arins. Vous avez juste un drapeau avec un oiseau dessus, mais bon, ça vole pas haut. On fera une petite commémoration de ma blague de merde, mais bon, ça. Dis rien. Alors, je tiens encore 5 tours. Et donc, la garnison d'ici, c'est de la merde. Et sinon, vous m'attaquez ou c'est moi qui vous attaque? Parce que je crois qu'on peut pas faire les deux. Ouais, j'ai un doute. Allez, on continue la marche du désert. Hop là, on traverse le désert. Et il y a ça. Allez, papam, papam, papam. Non, je vais pas chanter ce machin, c'est assez nul quand même. Ah bah tiens, bizarrement, et regardez ça, c'est la lutte finale. C'est la lutte finale. J'espère qu'on va pas chier dans nos frocs. Ça va mal finir cette histoire. Je vous le dis, je le sens très mal. Enfin non, je le sens plutôt bien pour moi, c'est juste très mal pour eux. Attends, les mecs, ils auraient jamais dit mal. Je comprends même, de toute façon, je comprends même pas les mecs là, ils sont en train de perdre leur territoire. Si c'était vraiment Game of Thrones, ils seraient tous en train de. Ils seraient tous à plat ventre en mode. Nous sommes désolés. Vous voulez de la pitié? Bah, je vais tous vous tuer. Très bien. C'est une sorte de pitié chez moi, de tuer mes adversaires. Ah, c'est que j'ai tellement pitié d'eux que je les achève. Alors, bientôt, on va pouvoir quitter Old Town pour éliminer les rebelles du sud. Si je quitte la ville, est-ce qu'ils pètent un câble? Si vous parvenez à péter un câble alors que j'ai tué tout le monde, c'est. Voilà, hein, là, tout de suite. Ça va mieux là, attends. Parce que je viens de tuer toutes leurs femmes et leurs enfants, ils ont encore de quoi gueuler. C'est. Eh, c'est incroyable. Je sens que le vieux port, Marseille. Ah, je vois une bonne concordance avec notre monde, mais bon. Les Tyrell, ils veulent vraiment pas faire la paix, ça veut dire on a perdu les trois quarts de notre. Eh, je sens, ils vont me faire un coup tordu, mais ça, je vais vraiment pas aimer. De toute façon, De toute façon, je sens qu'ils vont faire un coup monté, ça c'est clair. Alors, on va déjà se débarrasser des rebelles. À votre service. Là. En marche. Eh merde, on peut pas impossible, bouger. C'est impossible. De toute façon, ils vont. Soit ils m'attaquent, soit c'est moi qui les attaque. Oh, bon. Y'a pas trop le choix. Faction est plus évoluée, Zarin attaquer le roi, c'est pas très évolué tout ça. Voilà,
Ah, là, ils sont contents, mais en même temps, j'ai tué les femmes et les enfants. Ils devraient l'être. Mais je comprends pas pourquoi vous tuez nos autres peuples. Comme ça, hein, tu sais. Je plains les rebelles qui sont en train de servir de bouclier humain, hein, là. Parce que bon, là, c'est la fin des arines, ça va être la fin. Bon, on va envoyer notre armée au nord. Quand je disais le soleil des arines, j'aurais mieux fait de pas plaisanter avec ça. Tiens, c'est Jaime. Mec, j'ai tellement envie d'envoyer un espion pour le descendre, son gamin. Je sais que je pourrais pas le tuer. Je vais envoyer des hommes au sud, hein, comme ça on prévoit la prochaine attaque des imbéciles, on va le dire. Eh, ils ont encore des généraux, mais comment vous faites? Vous n'avez même plus d'hommes. On passe le tour, on fera peut-être une bataille. Ah oui, j'ai oublié de le bouger, lui. Oh! Oh mon dieu, mais il est réduit à néant, là, le Jaime est mort. Jaime, il est mort, là. Il reste plus que lui et son fils et 2-3 gardes du corps, mais non, sinon, on est tous morts. Non, les Tyrell, vous me saoulez, là. Allez, quand vous aurez plus la cheforte, je crois que vous serez en train de... Ah, d'accord, hein, c'est... Nous sommes assiégés! Ah, d'accord, la guérilla urbaine, ça, je comprends. Emmett à Charlton Castle, c'est où cette merde? D'accord, j'envoie l'armée. Oh là 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 là, le peuple qui se soulève, quoi. Non mais n'importe quoi. Et attendez, on est dans Game of Thrones, vous êtes même pas censé savoir lire. Le peuple n'est même pas censé savoir lire, à peine. Ah là, bizarrement, je trouve que des paysans, ça va, hein. Vous êtes même pas censé savoir le mot CGT. Comment vous pouvez vous soulever? Tu sais, le mec, il va un peu trop loin. CGT, bim. Voilà, émeute. Faction a plus évolué. Ah bah oui, on tue des manifestants. Ah bien évidemment que c'est évolué de tuer des manifestants. Qu'est-ce que vous croyez depuis le début? On bloque le pont. Et bientôt, on pourra faire venir les renforts. Alors qu'est-ce qu'il y a dans votre armée? Ouais bon, s'il y a des paysans, je rigole un grand coup. Et je dors. Non! Ok. Ah, intéressant! Pam 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 pam. Pam. Merde, trop loin. Tu sais, le mec, il fait bien son... Le mec, il est bien joyeux. Je vais prendre la ville. Ah, merde, trop loin. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a Captain Rouse. Là-dedans, on a 50 milliards de soldats. Très bien. Je crois que ça va être la fin de... Je pense qu'à cette bataille-là, il n'y a plus grand-chose. Plus grand-chose du tout. Alors là, je pense que je fasse une sortie parce que il m'énerve, là. Alors, Jaime, il est encore vivant, tiens. Ils sont plus que deux. Ça se trouve, l'autre, il est mort. Non. Oh, de toute façon, s'il meurt tous les deux, on le saura vite fait. Ouais, j'aurais mieux fait de prendre Ashford quand il était encore temps. Vous auriez mieux fait de fuir quand il était encore temps. Votre Altesse. Parce que là, vous êtes... C'est quoi ça? D'accord, des super miliciens qui... Ah, des super miliciens, ok. Ça va pas me déranger de vous descendre, hein. À l'attaque! Victoire! Oh, le con. Bon, on va faire du baston, tiens. Allez, bim! À l'attaque! Oh, mais ça va, ça arrête de fuir. Allez, là, je pense que... 159, allez. 6 hommes perdus. Allez, une armée rebelle exterminée. Victoire. Encore 5 cartouches. À l'attaque. Baristan, est-ce qu'on fait vraiment la bataille? C'est que des pays, c'est que des rebelles, tiens. Bon, on va sauvegarder, on va voir si je perds vraiment beaucoup trop d'hommes, sinon on fait la bataille, hein. De toute façon, cette bataille-là, je la fais juste pour tuer les rebelles, alors bon. Pour nettoyer le territoire, on va dire. 103 hommes. Allez, on a quand même perdu beaucoup de monde, mais ça va. Victoire. On va remonter avec tout ça là. Entre temps, on va. Ouais, je propose qu'on envoie. Empereur. On va remplacer les soldats tués. Quittez l'armée. Droit devant. Plus de mouvement, sire. Voilà. On voyait l'espion tout là-haut. Les Tyrell, ils sont partis à la sauce. Je pensais même pas c'est possible. On va attendre encore un peu. On va se mettre juste à côté des rebelles. Les mecs doivent se dire, oh putain, là les gars, on est tombé sur les gros bourrins. Hop là, on est juste sur le pont à côté. Coucou, tu veux voir mon armée? C'est le mec qui se fait bâcher. Coucou, tu veux voir mon armée? Allez, en l'an 307. Oh, les Lannister qui font leur comeback, hein. Ah d'accord, vous m'attaquez sur le pont. Ah bah génial. Capitaine Varys. Oh. Ah d'accord, en fait vous êtes le roi. Les mecs c'est les... Ah bah en plus c'est... Ils ont viré leur armée de garnison, c'est super. Enfin, ils ont viré l'armée de siège, c'est génial. Enfin, comme ça, je vais pouvoir me débarrasser en même temps de eux et en même temps de eux. Ah, c'est bien. Enfin bon, je m'emballe un peu, mais c'est génial. Vous n'êtes même pas foutu d'avoir une armée correcte. Mais c'est vraiment le Rouen, quoi. Il y a des scouts, il y a toutes les formes de cavalerie existantes sur Terre. Et Gaerys, il a quoi lui en armée?
Je chie bien dans mon froc. Enfin, pas trop quand même. Parce que ça va, c'est que c'est de la cave pourrie, alors on va pas se faire. Pas se mentir que c'est de la merde. Alors bon. Sauvegarder. Alors c'est qui le général Lannister là-bas? Je sens que c'est un gros Tyrell. Lancel Lannister, connais pas et je ne veux pas savoir qui c'est. Alors là, bientôt on va avoir l'armée. Alors je vous conseille de faire très gaffe parce que il y a Maelys Martin qui arrive, il va prendre Ashford et vous, vous allez tous être guillotinés. Enfin, on va vous décapiter ainsi que vos fameux enfants. Comment ça c'est horrible? C'est ça la guerre? À la guerre comme à la guerre. Et vu qu'ils m'ont font chier, d'ailleurs il a que 29 ans, il est putain, il a 29 ans le mec, il a déjà accompli toute sa vie. C'est bon, je peux aller dormir. Bon, on va s'arrêter là, donc j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode que je viens de tourner d'affilée avec celui que vous ne verrez jamais, hein. C'est bien énervant. Mais attendez, puisqu'on sait le bazar dans ce monde, voyons la carte de la guerre. Ah, c'est bon. Alors, que se passe? Ah non, mince, ça n'a pas fonctionné. Non. Je sens que ça a bien lagué d'un coup. Ah non, ça va, c'est... Alors, les Lannister préparent la contre-attaque, mais ils veulent vraiment pas la paix, les mecs. Et vas-y donc, oh, les Tyrell, ils seraient dû à peau de chagrin. Enfin, ils étaient déjà à peau de... Non, les Tully étaient déjà à peau de chagrin. Oh là là, oh là là, mais il y en a du monde. Eh, hey, Yara Greyjoy, hey, elle en a du culot, elle, d'attaquer les Stark. Comment oses-tu les attaquer? Parce qu'ils m'ont rien fait, de toute façon. Alors là, c'est qui, c'est Roose? C'est Rickard Karstark, connais même pas ce mec. Alors bon, je sais qu'ils te mettent des noms de généraux qui sont peut-être existés dans la série, mais tu sais pas. Alors d'ailleurs, le problème des Stark, c'est dur de voir sur un drapeau si leurs drapeaux sont blindés en hommes, quoi. De là, ça sent la deuxième guerre. Faut pas me mentir, je sais que ça va être la deuxième guerre Starko-Greyjoy. Oui, bon, après tout, l'histoire fait n'importe quoi. Alors, voyons ce qu'il y a de l'autre côté de la Manche. Pardon, l'autre côté de... Oh là là, mais il y a des pirates en masse. C'est bien que je vais pouvoir conquérir les petites îles comme Tyros. Oh, oh, les îles du sud, là, commencent à prendre du terrain. Dans ce bien, j'ai envie de dire, ils vont... Volantis, mais... Et c'est incroyable, il y a 50 000 peuples, mais ils font rien. Mais regarde, mais matez-moi, les Dothraki, ils font rien. Ils pourraient conquérir le nord. Mais non, non, on s'en fout, nous. Hein. Nous, les Dothraki, on va rester là, comme ça. Alors, ça se passe comment, votre guerre? Ah, Braavos qui gagne déjà du terrain, tiens, les... Sidonos Braavos... Il est bizarre leur général quand même. Alors j'ai l'impression qu'ils vont bientôt prendre Pentos, hein. C'est Tiagin, la Ligue du Sud. Et Santat Gun dit. Continue à chanter cette chanson et je te fusille direct. Pardon, pardon. Alors pourquoi les agents se rendent ici? Et vous imaginez, apporter un espion et vous les butez tous. Oh, aïe, ouch, ça fait mal là. Oups, pardon. Bon bah je vais m'arrêter là. Donc dans le prochain épisode, nous ferons couler du sang Arin. Tu sens à rien? Oui, bon, Hitler va m'en vouloir. Et alors, je m'en fous, je le hais. Comme 75%, non. Comme 95% de l'humanité? C'est possible. Et aussi, on en finira avec les Martel et on éliminera cette guérilla. Moi, je suis désolé, c'est de la guérilla, quoi. C'est quoi la région d'Asford, juste pour rire? Grassleeval. Ah bah, ça sera plus très vert quand on aura tué tout le monde. Bah, j'espère que vous aurez bien aimé cet épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye.